Bibille, production, vous présente une poupée sans cervelle. Je compte sur toi, Joséphine. Tu as ma parole. Bon, j'y vais. Bon voyage. Tu es trop bonne, Valérie. Tu m'as tout donné, sans même te demander. Ta fortune, ton mari, tout et tout. Tu es une autre Joséphine, dès aujourd'hui. Es-tu prête, bébé? Oui, allons-y. Comment tu te sens? Un peu tendue, mais ça va. Sois tranquille. Une semaine sans toi, tu vas me manquer. Je sais, tu vas aussi me manquer. Joséphine, en chair et en os. Je t'attends dans mon bureau. D'accord. Que veux-tu? Tu te souviens que je t'avais prévenu que je serais la directrice de Haut Chocolat. Alors réjouis-toi, mon vieux. Alors bonne chance. Merci. Tout est parfait, monsieur Lamanche. Continuez à prendre tes médicaments. Et surtout évitez les émotions. Merci, je vais faire attention. Bonne journée, prends soin de vous. Merci. Tu vas me manquer. Bon voyage, bébé. Bonjour, monsieur, j'ai une réservation pour Bouteveille. Quel est votre nom? Valérie, Valérie Duvas. D'accord, l'embarquement c'est pour 11h30. Merci, monsieur. Bon voyage, madame. Qui a-t-il? Joséphine est maintenant notre chef. Tu vas bien? Eh bien, va vérifier par toi-même. Que veux-tu? Rien, j'ai juste venir te dire voler n'est pas une bonne chose. Peux-tu me dire qu'est-ce que j'ai volé? Sors d'ici, je ne veux plus de toi. Es-tu folle? Tu es virée, sale malpropre. Dehors. Qu'a dit le docteur? Qu'il est temps que ma fille se marie. Justement, j'ai rencontré quelqu'un. Qui c'est? Raphaël, et je l'aime bien. Raphaël, l'assistant de Valérie, il n'est pas mal apparemment. Tu es très silencieuse. Pas maintenant, Joséphine. Je viens au bureau. Attends-moi. Ernesto, comment as-tu entré sans frapper? Pourquoi tu veux toujours la place des autres? Pourquoi tu ne travailles pas? Je peux appeler mon avocat. Comment peux-tu avoir des kilos pour me juger? Tu te souviens, à la faculté, on t'a supplié de prendre ton diplôme. Mais non, tu as refusé. Assez, ça suffit. Sors d'ici. Bien sûr, je vais sortir. Mais un jour, tu vas regretter. Non, non, non. J'ai rendez-vous ce soir avec lui. C'est d'accord. Elle m'a viré. Oh non, du courage. Merci. Elle va me manquer. Je crois quand Valérie soit de retour, elle va l'appeler. Joséphine est très cruelle. Tu n'as pas répondu à mon appel. Qu'y a-t-il? Je suis enceinte. Quoi? Non, c'est pas vrai. Que vas-tu faire? Que veux-tu dire? Je veux entrer à la maison. D'accord, entrons. J'ai parlé à mon père de toi. Il a dit quoi? Rien, il te connaît. Je veux plus savoir de toi. Raconte-moi, tu as un fiancé. Elle m'a quitté. Pourquoi? Je lui ai demandé en mariage. Je suis désolée. Est-ce que tu vas me faire la même chose? Moi? Oui, veux-tu m'épouser? Réponds-moi. Oui. Je crois que je dois entrer maintenant. Il se fait tard. C'est elle. Non, c'est Valérie. Elle est en voyage d'affaires. Je veux entrer. Allons-y. D'accord.
j'ai eu ton message. Qu'y a-t-il ? J'ai accepté de t'épouser. Quoi ? Je suis désolé, vraiment désolé. J'ai déjà choisi une autre. Apparemment, tu avais déjà cette personne. Qui est-ce ? Tu ne la connais pas. Ok, bonne chance. Tu ne peux pas dormir ici. Et pourquoi ? C'est la chambre de Valérie. Je suis enceinte de toi. Je porte ton enfant. Et tu m'humilies de cette façon. Je suis désolée. Pardon. Demande-moi ce que tu veux. Je veux qu'on se marie. Et élevons notre enfant ensemble. Tu ne crois pas que c'est trop tôt. Tu as une semaine pour ça. D'accord, ma chérie. Tes désirs sont désordre. Je vais divorcer. Valérie, pardonne-moi. Valérie. Qu'y a-t-il, mon amour ? Pourquoi tu appelles Valérie ? Je ne veux plus entendre son nom ici. As-tu signé les documents que je t'ai remis ? Tu les as lus avant de signer. Non, pourquoi ? Parce que ces documents disent que tu renonces à tous tes biens. Qu'à présent, je suis la propriétaire de tes biens. Es-tu folle ? Bonne nuit, mon amour. Je fais tout ça pour te protéger de Valérie. Je suis un idiot, Valérie va me tuer. Merci d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Merci.